nous ce soir. Elle s'appelle Afina Ferber. Ouais ouais. Je réponds et c'est vrai que je fais des surprises, je débarque à domicile, je réponds. Vous êtes jamais venu chez moi en tout cas. Non, mais vous n'êtes pas un fan. Peut-être que si, un fan caché. Ah, donc je vous enverrai un petit courrier et des boîtes de chocolat. Les amis, vous baiserez après. Est-ce que tu peux continuer s'il te plaît ta chronique? Bien sûr. Autre nouveauté. Je suis confuse. De même, vous connaissez l'animation. Elle est très en forme ce soir. Ouais, super. Elle a des revendications. C'est grâce à vous. Hein. Alors, c'est la Darkness Night qui m'envahit des pieds. À la tête. C'est surtout grâce à ce qu'on a mis dans ton mug. Allez, continuez, mangez le tout. Ouais, moi, je viens d'avoir une hallucination. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait donner un enfant entre Sylvain et Afina Turner? Ce serait un putain de bordel. Les amis, on va se retrouver dans un instant avec notre Sylvain. Je vais te défoncer. Oh là 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 là. Oh, on va, s'il te plaît, on va garder ça je pour la fin. Je parle physiquement. Oui, oui, c'est ça. Okay. Remarque, ils auraient les mêmes cheveux, Sylvain. Oui, oui, c'est vrai. Oh là là, oui, c'est sur voltage.fr pour voilà. Voir le YouTube, la vidéo. Ça vous permettra aussi de voir la magnifique poitrine d'Afina Turner, notre nouvelle coupe de cheveux. Est-ce que tu es content d'être à mes côtés? Mais évidemment, sauf que je suis très à côté de toi. Oui, voilà. Elle veut se le faire, je crois. Mais c'est pas là, vas-y. Mais oui, les vinyles, c'est plat, c'est rond, c'est noir de couleur. Ce oui. sont les vinyles. Et oui, et ça revient. C'est un vinyle ou c'est un anus? Alors, non, en fait, alors. T'as dit quoi, là? T'as dit quoi? Deux secondes, t'as dit quoi? C'est un vinyle ou un anus? C'est noir et dilaté. Afina, mais t'es malade. T'es malade. Mais y'a quoi dans ce mug? Du iced tea. Oui, du iced tea, bien sûr. Oui. Et non, c'est. Alors, calmez-vous, là. Les cougars du fond, là. Je vais mourir. J'adore les grands noirs ou les grands blonds. Je suis ni l'un ni l'autre. Bon, d'ailleurs, vous avez enchaîné. Elle a tout piqué à Bernard en compagnie de votre amie Pamela Anderson. Que j'adore. I love you, Pamela. Qu'on adore. C'est bien parce que c'était plus la Côte d'Azur, hein, mais la Silicon Valley. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Afida, que Dieu vous protège. Alors. Pas encore. D'ailleurs, je pense avoir une réduction mammaire. J'ai envie de me faire. Vous en pensez quoi? Bon, bah, je sais pas, on va regarder. Oui, c'est trop gros, non, je finis ma chronique et on verra après. Oui. Oh là 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 là. À celle d'Afida. J'espère que c'est moi. La lune. La lune. Oh, bah alors là. Alors là, j'ai très peur parce que. En fait, je veux dire quelque chose. Et là, c'est vraiment. C'est hors télé, c'est hors voltage. Je suis quelqu'un qui consulte beaucoup. Les médiums, surtout aux États-Unis. Mais là, je t'inquiète pas. Et les astrologues, et j'y crois énormément. Non, mais je suis sincère, voilà. Donc je suis très touchée. Tu me diras si l'étude du 22 des sexuels est bien là. On y va, Annick, vas-y. Donc là, effectivement, Afida affiche la couleur, sensualité, chaleur. On est bien d'accord, mais attention, jamais baiser sans aimer. Afida est une grande amoureuse. C'est love, Afida. Oh, et oui, il lui faut beaucoup d'amour. Oh, elle est en train de pleurer. Mais oui, et oui. Mais c'est alors, vrai, t'es trop forte. Mais oui, c'est ça d'abord. Elle c'est est connard aimer. Avec qui je suis sortie. Vous m'avez fait la maldonne, vous allez payer. Parce que moi, je voulais. Exactement. Je vous jette un sort de mais la ils ont rien compris. Nice. Ils ont rien compris. Parce non, que Afida est très, très sexuelle et très endurante. Mais à condition d'être amoureuse, elle donne tout à son homme. Pourquoi tu me touches seulement comme ça? Seulement à son homme. C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il est heureux, celui-ci. Ouais. Mais une vraie vision. Tu étais face au fourneau, tout délicieusement nu, et pendant que la blanquette de veau mijotait. Ah, mais c'est ce que j'ai cuisiné en plus. À un moment donné, rendez-vous. Bon, il est jamais revenu. Ce ton homme t'en prenait violemment sur la table. Pendant que ça mijotait, alors je suis sur la table, mais ça peut être à quatre pattes par terre. Enfin, on s'en fou. Afida. Hein? Non, c'est vrai, ouais. Donc, bah, attention, toujours avec ton amour. Toujours avec ton homme. Jamais attention. Un stranger. Ah, les mecs n'arrivaient pas le caleçon en bas devant Afida. Ah, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ou elle vous rhabille direct. Je mets vous partez dans à la case départ. Exactement. Ça dépend des centimètres. Bon, n'est-ce pas, Afida? Darkness night. Donc, voilà. Mais c'est une grande amoureuse. Donc, vous arrivez avec beaucoup, beaucoup d'amour et vous pourrez avoir tout le reste, mais pas à avant. Merci Annick. Alors je dis un mot vite fait. Vraiment, c'est absolument mon portrait et je vous jure, tous les auditeurs de voltage que je ne connaissais pas, Annick, c'est complètement ça. Annick a quand même dit que t'étais une grosse cochonne, hein, ça te dérange pas du tout. Elle a pas dit ça, je dis, elle dit avec une grosse son amoureuse. Homme. Avec son homme. Ouais, elle donne tout pour son homme. Je donne tout. Ça dépend des centimètres. Bon, allez, on continue avec.
Non, c'est vrai que sur un bateau à Miami, avec des amis, j'adore avoir un sexe on the beach et puis être mais un peu bikini. Mais là, tu l'as publié, donc c'est ton choix. Là, c'est absolument mon choix. Et d'ailleurs, je fais chez mon choix il y a bientôt dans, avec, comment je s'appelle? Evelyne. Ouais, tu l'inverses au voltage, mon ange. Ah bah, avec plaisir, tu viendras. Mais tout le temps, je suis toujours là, chérie. Et tu partiras pas? Je ne pars jamais, je suis séquestrée en bas. Ok, c'est bon, Quentin. Oui, oui, c'est bon. Tu veux lui remettre une petite couche? On en remet derrière. Hein? Oh oui, on va lui en remettre derrière. Et je pense qu'elle est non, mais Jordan, ce qui est bien. Moi, je vais écrire avec Quentin maintenant. Oh merde, c'est une catastrophe. Il y a Thomas. Ouais, Thomas. On m'a filé. Ah, Fina Turner est là. Et c'est très rock'n'roll si vous voulez venir la voir. High voltage, c'est la darkest night. Elle est complètement déjantée. Si vous venez voir la voir, c'est sur voltage.fr. Oh, il est perturbé. Hein. Ah, tu vois. Alors, t'as envie de nous parler de quoi ce soir? D'un sujet qui te tient à cœur? Moi, je suis pas chroniqueuse, je suis pas une grosse niqueuse. Je suis juste venue là ce soir. Voilà, j'ai pas de texte, j'ai rien préparé parce que je suis née comme ça. Alors là, je vais balancer les dossiers. Non. You have to kiss my feet. Tu dois embrasser mon pied, sinon je balance tout sur ce que t'as dit mal. T'es prêt? J'ai rien dit. Tu dois me faire un, tu veux me dire un truc gentil, c'est un gage. Bah t'es jolie. Voilà, c'est bon. C'est Jordan de l'Ex. Attends, elle m'a fait très peur. C'est le moment de ton live. En effet, oui, il m'est arrivé un truc. Hey. Alors Afida, va derrière le micro, c'est moi qui vais mettre le CD dans la machine. Retrouvez-moi demain à Lyon. Au sauna. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais à Lyon? Vous me retrouvez à Lyon. Au Super U. Dans mon Super Q au Super U. Ok, d'accord, super. Tu peux aller sur ton micro, c'est Afida Turner. Vous pouvez l'applaudir pour la chauffer, s'il vous plaît, vas-y. Ah, Silver. Ça va comme ça? Donne-moi mon téléphone. Merci, j'adore quand t'es mon esclave.